Salut tout le monde, c'est Infinite. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, encore un tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un fond d'écran football comme celui-ci. Donc, j'ai pris Wayne Rooney pour le tuto, mais vous pouvez prendre n'importe quel footballeur. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, vous allez créer un nouveau calque de la résolution de votre écran. Donc, moi, c'est 1280 par 720. Enfin, à peu près, après, c'est à vous de voir. Voilà. Vous allez importer l'image du footballeur que vous voulez. Donc moi pour ma part, j'avais pris Wayne Rooney. Voilà. Ce que vous allez faire tout de suite au début, c'est pixeliser le calque. Vous allez le dupliquer. Et celui-ci, vous allez faire CTRL-U, donc sur Windows, je sais pas trop comment ça se passe sur Mac. Et vous, la saturation, vous la mettez à peu près à moins 80. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est avec l'outil de sélection rapide, enfin je crois qu'il s'appelle comme ça, voilà. Vous allez sélectionner juste le corps du footballeur. Donc son visage. Voilà, donc je vous reprends tout de suite après, une fois que c'est terminé. Donc une fois ceci fait, vous avez juste à gommer en fait la partie sélectionnée. Donc en fait pour que ça remette Wayne Rooney en couleur de base, tout simplement. Alors attendez. Parce que là, ça me plaisait pas trop. Ah, donc c'était ici. Donc après, c'est aussi surtout un travail, on va dire, de précision. Faut pas faire n'importe quoi, mais bon. Voilà, on va dire que c'est à peu près bon. Du coup, vous avez déjà la base de votre image. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est l'effet vignette que j'ai utilisé dans plein de tutoriels. Tutoriaux, les deux se disent. Donc vous avez juste à remplir l'écran de noir. Et après avec l'outil gomme, vous allez prendre une épaisseur de 750. Et vous allez juste cliquer quelques fois ou bien aller un petit peu sur le côté. Voilà, et l'opacité, vous allez la mettre à 75%. Pour continuer, vous allez prendre l'outil lasso polygonal. Vous allez cliquer une première fois à peu près ici. Peut-être un peu plus bas. Ouais, bon, ça revient à la même chose. En cliquant sur Shift, ça va vous faire des traits à 45, 90 et toujours 45 degrés. Et donc vous avez juste en fait à faire un petit peu un rectangle oblique et vous allez le peindre d'à peu près la même couleur que le maillot. Pas sur ce calque par contre, voilà. Vous créez un nouveau calque et vous avez juste à peindre. Voilà. Donc une fois fait, vous allez refaire exactement la même chose mais en beaucoup plus fin. Et par contre cette fois-ci vous allez le faire en blanc. Ah zut, à chaque fois j'oublie de faire un nouveau calque. Voilà. Donc vous faites un nouveau calque et vous refaites la section. Voilà. Et
vous remontez un petit peu la barre rouge, histoire que ça rentre pas trop mal. Voilà. Ensuite, vous allez dupliquer ces deux calques, faire CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal et symétrie axe vertical. Voilà. Et après, vous le déplacez en bas à droite. Voilà, donc là, on est déjà presque à la fin du tutoriel. Ce qu'il vous reste plus qu'à faire, c'est à marquer le texte. Donc, Wayne. Voilà. Donc, j'ai réutilisé la police Montserrat, parce qu'elle est vraiment bien. Je vous la mettrai en description, logiquement, et puis l'image, je vous mettrai un lien aussi en description. Et Rooney. Vous pouvez faire à la fin ici, c'est mettre une incrustation en dégradé et ici le mettre un peu plus faible. Voilà, ça rend pas trop mal. Vous pouvez en faire de même pour Wayne, incrustation en dégradé. Voilà, et ici vous mettez cette couleur. Tout simplement. Donc voilà comment faire un fond d'écran football, tout simplement. Donc comme dit, hein, ça marche avec tous les joueurs. Après, c'est à vous de customiser, ce n'est qu'un exemple. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et abonnez-vous. Ciao tout le monde.